Hello, my favorite people. If the police officer wants to arrest me, I'm like, Black Lives Matter, and then you record him. You say, Siri, I'm being pulled over. And then she's gonna start recording. I don't want no drama, please go, go. Ok, donc là, on s'apprête à aller se faire enregistrer sur la liste électorale, donc pour les élections, donc ceux qui sont ivoiriens. Allez vous faire enregistrer en même temps. Donc, je m'apprête à porter mon masque parce que maintenant on porte les masques et puis on descend. She's ready! Alright, my turn. Voir un petit peu l'extérieur. Il y a un parc quelque part ici. It's a park. Et il y a un bus qui est garé. I mean, juste à côté là. Donc, are you ready? Because I am. A few moments later. On est venu à Ross, qui est un magasin où ils vendent un peu de tout. Et récemment, ils ont ouvert. Et là, on vient. Oh my god, il n'y a rien. C'est vide, c'est vide. Je vous montre un petit peu. C'est tellement vide. Regardez tous les rayons. Tout est parti. Ils ont réduit les prix en fait. Ils ont fait des réductions. Donc les gens ont dévoré tout. Les sacs, les Michael Kors, les Calvin Klein. Tout est parti. Ah, il y a les portefeuilles qui sont là. Ils ont réduit les prix aussi. Ça, je ne vois pas les réductions. Ça, je vois 49$. C'est pas réduit ça. C'est quoi celui-là? Ça c'est Kate Spade. C'est pour ça que c'est encore là en fait. Parce que c'est pas réduit, ça c'est 70$. Ah ouais, ça c'est joli. C'est pas mal ça. Ça c'est combien? Je prends ça pour moi. Attends, moi c'est combien? C'est 9$, c'est pas mal hein. Tu veux ça? Ok, prends. Quand je vais à Abidjan, c'est plus facile de prendre ce genre de portefeuille. Parce que là au moins je peux mettre. Ah oui, tu mets tout en même temps, c'est tout en un. Je peux mettre mon passeport. Alors que le portefeuille que j'ai actuellement, c'est plus approprié pour ici, il y a un peu de crédit. Ok. Ok, prends ça. Il y a quoi d'autre? Moi j'ai besoin d'un. J'aime bien ça, mais ah, c'est pas mal. C'est combien? 80? C'est 5$. Ah, 5$! Un petit truc comme ça là. Tu vois, ça c'est joli. Mais ça c'est plus pour ici, tu vois. Avec les différentes cartes, le crédit et tout ça. J'ai déjà un portefeuille comme ça. Mais celui-là n'est pas mal, hein. Moi j'adore en tout cas. Okay. Le Tommy là. Oui, j'aime bien. Frapper, c'est chic. Ah. Cool. Ok, on continue notre. Notre tournée. Yeah, tournée. Je vous dis, tout est vide, regardez. Tout est vide. Ici il y avait quoi? Les produits de cheveux. Il reste? Ce truc là, c'est quoi? Fais à lisser. Brushing. C'est pour un brushing, quelque chose. Lisser. Curl. Pour boucler les cheveux. Regarde ça. C'est coconut. Mais j'ai un que. Parfait. Oh, moi j'ai un, mais j'ai pas encore fini. Bon, mais ça, je prends ou pas? Ça a l'air bon, hein. C'est, j'adore le coconut. Le. Comment on dit ça en français? Le coco. Ça c'est un qu'on appelle scrub. C'est un gommage de corps à base de coco et de hibiscus. C'est parce qu'on prend faire le bissap là. C'est combien en fait? C'est 5,99.
c'est pas vraiment soldé. Oui, c'est pas soldé. Je crois que celui que j'ai, c'était 4,99. Donc ça, c'est bof aussi. C'est combien? C'est pas soldé. Tout ce qui est là n'est pas soldé. Les gens ont dévalisé le reste. Ah, et ça, c'est quelques sacs qui sont là. Bon. Ok, on va vous montrer un petit peu le reste. Ouh, ça, c'est un lunch bag. 15-16 $. Un sac de pour manger. C'est pas mal. Ces rayons là sont vides. Tout est vide. C'est incroyable. C'est une chaise de bureau, tout ça. Oh, ça, c'est une chaise. C'est pas soldé. C'est combien ça? 99. On dit ça, reste 100 $. Oh, this is stainless reusable straws. I've been wanting to buy straws. This. Yeah, it's reusable. C'est les pipettes, ça? Yeah, c'est bon pour l'environnement. So you can reuse it and you just carry on. C'est combien? It's $4.99. Il y a combien dedans? Il y a 4. Est-ce que c'est bon le truc qu'on fait là? And then you clean. Ah, you pick, okay, you can clean. Okay, c'est bon. Visage. C'est vrai que vous ne pouvez pas voir mon expression faciale, mais je suis choquée. Je suis choquée parce qu'il n'y a rien. On est literally so cute. Qui le vin, oh, ça, oh my god, c'est trop beau ça. 6,99. Il y a les chaussures de garçon ici. Encore vide, vide, vide. Bon, celui-là, c'est pas le rose. C'est déjà un nouvel album. C'est pas le rose, on vient tout le temps. Ouais, c'était juste un. C'est un, juste un rose comme ça. Donc, on a juste déposé des habits, on a retenu des habits. Et puis, on a essayé de regarder s'il y avait quelque chose, mais wow. Absolument, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Donc, on va aller dans un autre rose peut-être pour voir. Ouais. Parce que c'est pour ça que je suis rentrée, j'ai vu qu'il n'y avait pas de rang. Oh, ça, j'étais choquée. Parce qu'il n'y a rien en fait, donc il n'y a pas de rang, les gens sont pas là. Ok. A few moments later. On a quitté le Ross, on a trouvé que dalle. Donc là maintenant on va au supermarché africain pour acheter des choses. Donc je vous montre ici. Ils ont la banane d'aloco, la banane plantain, il y a l'ignum. Ils ont beaucoup de choses. Hein. Wow, c'est ma première fois ici et je suis vraiment épatée. Il y a les chips. Ah non, je sais pas c'est quoi ça. Ça. Oh my god! Il y a l'igname, le vrai igname. Je suis épatée, je suis épatée. Ils vendent des mortiers, pilons. Waouh, c'est cool ça. C'est trop cool, génial. Il y a tellement de choses. Ça, c'est pour ceux qui font. Ah, c'est pour le thé ça. Ok. Et là aussi, hein. Ah, on a acheté ça la dernière fois. C'était trop bon ça. Et ça, c'est les carpes, je pense. Mais on n'a pas mangé. Mais celui-là, c'est très bon. Très bon. Huile de palme. J'ai pas envie de toucher, sinon j'allais vous montrer le prix. Yeah, voilà. Ah, c'est les petites bêtes, là. Il y en a ici. Là, c'est 1,99. Je sais pas c'est quoi. C'est crayfish. C'est les crevettes, les minuscules, là. Écrevisses, je pense que ça se dit. Il y a un ici. Il y a aussi la pâte de la poudre. Comment ça s'appelle? La poudre de crevettes ici. $3.50 le sac. Ça, je crois qu'on en a. On a acheté ça la dernière fois. Il y a beaucoup de choses en fait. Et ça, je vous ai montré ça dans un vlog précédent. C'est la poudre de mille pour faire le coco baka. Ils appellent ça Aoussa Coco. C'est trop bon. C'est trop trop bon. En tout cas, si vous pouvez acheter ça. C'est, je recommande ça assez à 100% en fait, c'est trop bon, trop trop bon. Et ça, je sais pas ce que c'est. Abacha quelque chose, je sais pas. Et ça, c'est quoi, du poisson? On prend juste deux, mais c'est petit. Deux, c'est petit, hein. Ah, c'est la checker. C'est pas comme pour la dernière fois là, Côte d'Ivoire là, rond là. Ah, c'est la checker de chez nous, hein, Côte d'Ivoire. Donc,
1 à 4 dollars, c'est ça? Ou 5 dollars? Ça, c'est le prix. Ah, c'est la caisse qu'on dit le prix. Il n'y a pas le prix dessus. Le poulet fumé, 5,99 $. C'est petit comme ça. Ok, donc là on a fini, ça fait au total 46 dollars. C'est ça, non? 46 dollars? Un truc comme ça. 46 dollars, ça coûte cher de manger africain ici, hein? Oh my god, c'est pour ça qu'on achète la nourriture ce soir pour une fois chaque 2 mois ou quelque chose comme ça. On veut que nous regardions. Parce que ça coûte vraiment cher. Et voilà le sac. Un sachet, c'est quoi? 2 à 3 sachets qu'on a pris. 46 dollars, c'est pas donné. Donc voilà, on va manger ça et puis on va maintenant à Ross. Parce que le Ross, on est allé, vous avez vu, c'était vraiment vide et tout ça. Donc on va aller à un autre Ross pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut acheter. Et puis, yeah, donc ce samedi là, c'est vraiment mouvementé. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu notre journée. Et puis profiter au max, voilà quoi. Donc là, on essaie de traverser, il y a trop de voitures. Le feu est vert, donc on est obligé d'attendre. On attend. On a garé juste là-bas. A few moments later. Anyways, donc voilà, je suis à la maison. On a pu aller à Ross parce que on était fatigué. Autre chose. On devait faire quelque chose d'autre, donc on est allé faire les courses instead. Et puis voilà, donc on a acheté des choses à Aldi. Vous connaissez déjà Aldi, donc voilà. C'est Aldi, le go-to. On a acheté les groceries. On a fait le marché et tout. On est allé au supermarché africain, là. Vous avez vu. Donc les sachets noirs, c'est le coin d'Africain, ça. Le poulet fumé, etc. Donc c'est la fin de ce vlog. Voilà un vlog assez chill. Comparé à celui du confinement. Là, maintenant, on peut commencer à sortir et tout ça, donc... Merci. Mais on respecte la distanciation sociale. On respecte la distanciation sociale et puis les autres mesures barrières. Donc voilà, c'est la fin du vlog. Merci. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous laver les mains et voilà, be safe et à plus tard. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, commenter si vous avez des questions et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre vlog. Bye. Easy on the